c'est pas a priori via un tuto que vous allez trouver sur Katia ou sur Trade Assurance, on va en parler un peu après. C'est vraiment comment on peut utiliser cet outil, Trade Assurance, dans nos enseignements presque quotidiens. Ici, j'ai appelé ça processus d'utilisation des apps. Alors, vu de ce qu'on a testé, qu'on a commencé à tester à l'ENSAM, vous voyez que quand on veut faire de la simulation des procédés de fabrication, il faut arriver, des systèmes de production, pardon, il faut arriver à l'application de droite ici qui s'appelle Factory Flow Simulation. Mais avant ça, il faut avoir fait tout le reste. Côté Sumeka, c'était des projets de fin d'études de 2 à 3 étudiants. C'était des one-shots, on les a réalisés qu'une seule fois chacun. Et c'était le but était de découvrir la 3D expérience sur cette modélisation-là et cette simulation. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, on peut utiliser la plateforme on-premise de Smart qui est installée à Nantes? Oui, non, dans quelles conditions? Parce que j'ai vu beaucoup de démonstrations de 3D expérience sur des salons, hein, des salons industriels. Ça me semble assez avancé. Maintenant, à nous, dans la communauté, à bien avancer pour qu'on consolide ça et qu'on réponde aux vraies questions qu'on s'est posé un peu aujourd'hui là, pour coupler ça à des scénarios pédagogiques qu'on aimerait faire dans nos établissements.